J'espère que vous allez bien. Moi, moralement, ça va un petit peu mieux. Bon, là, je suis malade, mais ça va un petit peu mieux parce que j'ai essayé de m'occuper l'esprit depuis que je suis rentré à Paris. Il y a 2 semaines que je travaille beaucoup, j'organise des événements pour des marques avec qui je travaille. Il y a toutes les campagnes d'influence aussi qu'il faut mettre en place. Il y a mes réseaux personnels aussi, toutes les collaborations que je peux faire moi sur mes réseaux qu'il faut mettre en place. Puis il y a tout ce truc d'acting aussi en ce moment qui me prend vachement de temps. La semaine prochaine, pardon, je tourne un casting pour un gros truc qui pourrait vraiment être un virage dans ma carrière. Donc voilà. Mais là, je sais que je vais rentrer chez ma mère aujourd'hui pour l'anniversaire d'une de mes tantes. Et j'apprends un peu parce que même si je sais que j'ai eu des moments down là, dans ces 2 semaines, être confronté à ma maison sans mon chat, ça me fait peur. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est dur de soigner le cœur. Hein. On est d'accord, c'est très dur. Et je considère aussi que j'ai beaucoup de chance dernièrement, je participe à plein d'événements auxquels je suis invité, des trucs où je suis conscient que genre c'est pas donné à tout le monde quand on est dans une période difficile de pouvoir te changer les idées et tout ça. Par exemple, hier, le concert de Slimane, le concert privé, c'était trop bien. Moi, je connais pas très bien ses musiques, mais c'est vrai que ça parlait d'amour, ça réchauffe un peu le cœur quand justement ton cœur il est un peu blessé. Donc voilà, je vois le bout du tunnel, mes problèmes se règlent. J'ai plein de trucs, plein de projets, plein d'envies, plein de voilà, je retrouve un peu le goût aux choses, même si voilà, il y a des périodes moins faciles et je sais qu'il y en aura d'autres qui vont arriver encore, mais on essaye de se concentrer sur le positif pour attirer du positif, pour essayer d'upgrade et de tirer du bon du mauvais qui nous arrive. Je pense que c'est important. Les filles influenceuses qui souhaiteraient et qui seraient disponibles pour partir du jeudi 14 au dimanche retour le dimanche 17 au Puente Romano Resort à Marbella. Je connais très bien le directeur de l'influence du resort et ils organisent un week-end qui s'appelle le week-end et j'y étais il y a plus d'un mois maintenant. C'était trop bien, franchement. L'endroit est juste magnifique, salle de sport, brunch, restaurant, des soirées, ils ont des établissements de nuit aussi dans le resort, tout est dans le resort, on sort pas du resort. Enfin, moi j'y vais pas hein, mais vous sortez pas du resort. Donc s'il y a des filles intéressées, des influenceuses intéressées, envoyez-moi un DM et je vous mets en relation. Voilà, bisous.